Bonjour tout le monde. Alors, moi, c'est Lélay, je viens de finir mes études en animation 2D et je suis actuellement en stage pour valider mon diplôme. Comme j'ai plus de devoirs à faire le soir, j'ai décidé de profiter de mon temps libre pour faire des petites animations sur YouTube. Parce que les devoirs me manquent. Non, parce que j'adore ça, tout simplement. J'ai toujours été fan de dessins animés. J'en ai regardé des tas quand j'étais gamine et... Ben, je me suis jamais arrêtée en fait. Mes parents commençaient à se poser des questions quand ils me voyaient encore devant Bob l'éponge à 17 ans. Oh, et t'as vu celle-là ? Quoi ? Mais quand j'ai commencé mes études d'animation, j'ai enfin eu une bonne excuse. J'étudie. C'est pour l'école. Mais j'ai vraiment su que je voulais faire de l'animation vers l'âge de 12 ans, quand j'ai découvert Flipnote Athena. Je sais pas si tout le monde connaît, c'est un logiciel gratuit qui était disponible sur la Nintendo DSi qui permettait de créer des dessins animés et de les partager en ligne avec le monde entier. Wow ! Certes, l'écran était trop petit pour dessiner correctement et il y avait que 3 couleurs disponibles, mais c'était vraiment le feu. J'ai d'ailleurs retrouvé quelques-unes de mes créations. Comme vous le voyez, c'est pas terrible. On va jouer aux imitations. J'ai donc animé là-dessus pendant plusieurs années, j'adorais vraiment trop ça, et il était de plus en plus évident que je voulais en faire mon métier. Après le lycée, j'ai donc intégré une école d'animation pas trop loin de chez moi, après avoir réussi le concours d'entrée. Et c'est ainsi qu'allaient démarrer les 3 plus belles années de ma vie. Enfin, si on oublie les dessins hyper compliqués qu'on nous donnait à faire chez soi, le stress des délais et toutes les nuits blanches que j'ai dû faire pour toujours terminer dans les temps. Bref, c'était dur, surtout au début quand j'étais pas du tout habituée à un tel rythme. Mais je me suis accrochée, parce que c'était mon rêve, tu vois. Et aussi parce que c'était pas gratuit ces études de merde. La troisième et dernière année a été très particulière puisqu'on a dû réaliser notre premier court-métrage d'animation en équipe de 3 à 5. Et ça a été une énorme galère. Mais on a réussi. J'en parlerai sûrement en détail dans une future vidéo. Un jour. Me voilà donc stagiaire dans un studio qui produit des dessins animés pour enfants qui passent sur Gulli ou France 4. C'est très sympa, il y a de la bouffe gratuite, c'est un milieu vraiment passionnant, la bouffe est gratuite, les gens sont hyper cool, mais surtout, il y a de la bouffe gratuite. Et ça, c'est fou. Enfin bref, je touche enfin mon rêve du bout du doigt et je trouve ça chouette de me dire qu'après toutes ces années à regarder ces dessins animés, bah c'est aujourd'hui à mon tour de contribuer à la création de ceux-ci, que ce soit à la télé ou sur YouTube. Allez, je vous remercie d'avoir regardé cette première vidéo en espérant qu'elle vous a plu et je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye !